Let's dance, 'cause tonight we're fire break. Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvel épisode de Projet Cars. Donc pour le coup la dernière fois on avait fait notre première course, donc là du coup on va faire notre première course, nos tours d'essai. Donc là pour le coup on va en démarrer une pour avancer tout simplement dans le mode carrière. Donc je pense que la série en vidéo, je pense que ça va être découvrir le jeu en son intégralité. Donc on va essayer à peu près tout ce qu'on va trouver sur le jeu. Donc que ça soit le mode carrière, le mode pépère, le mode tu fais tout et n'importe quoi. Voilà, je pense qu'on va essayer ça. Donc j'ai eu quelques petits problèmes en démarrant la vidéo, ça fait un moment que j'essaie de tourner, mais j'ai eu un problème avec mon volant. Le jeu ne le reconnaissait plus. Donc là j'étais en train de péter un câble comme un con depuis une heure. J'étais en train de péter un câble comme un con depuis une heure. Parce que j'arrivais pas à régler mon volant. Donc, enfin à faire reconnaître mon volant par le jeu. Donc là franchement c'était vraiment. J'ai vraiment galéré. Donc franchement, un petit mot là-dessus encore pour jouer au JTEC. Il y a des petits bugs encore à droite à gauche. Donc franchement c'est un peu dur. C'est un peu chiant parce que voilà, au début je croyais que c'était mon volant qui m'avait lâché. Et puis en fin de compte non, c'est pas mon volant qui m'a lâché, c'est juste le jeu qui a bugué. Je sais pas parce que j'ai eu une mise à jour apparemment, je sais pas si c'est la mise à jour du jeu ou si ça venait directement du volant, du logiciel du volant, donc je sais pas. Après pour le coup franchement j'ai désinstallé le logiciel du volant, je l'ai carrément désinstallé pour le coup parce que tout simplement retour au stand. Oh, ça va me saouler. Faut que je retourne au stand. Bon, je vais retourner au stand. Et ça ne veut pas tourner. Donc, du coup, voilà, je vais essayer. Bon, j'espère que ça va pas se reproduire. Parce que si je galère comme ça à chaque fois pour redémarrer le jeu, c'est vraiment. Ça risque d'être vraiment très très chiant. Et bah, pour le coup, franchement, je risque très vite de m'énerver. Donc, surtout que je suis quelqu'un qui rage très très vite. Donc du coup voilà. Bon, je sais pas, il me dit de retourner au stand. Donc du coup voilà, bon, on retourne au stand parce qu'on a fait un faux départ, je pense. J'en sais rien, je ne comprends pas le. Je n'ai pas trop compris en fait ce que je devais faire, mais bon c'est pas grave. De toute façon là on découvre, on n'est pas trop en mode vraiment jeu, on découvre. Donc là si on est c'est notre premier tour. Notre première course vraiment dans le jeu. Putain, là je sors carrément comme un bourrin. C'est vraiment notre première course. Donc voilà, on va essayer d'en profiter un petit peu en maximum pour jouer, pour essayer quand même de monter. De rattraper l'équipe, mais bon, vu ils ont déjà quasiment presque un tour sur moi, je pense que ça c'est mort pour le coup, c'est vraiment très mort. Donc du coup c'est pas grave, on va essayer quand même de jouer le mieux possible. Je vais essayer de jouer quand même le plus réaliste, le plus proche d'un vrai pilote, même si je fais que de la merde et franchement ça me saoule, putain de merde. Donc oui, quand je m'énerve je suis très vulgaire, pour ceux qui l'ont pas compris c'est vraiment saoulant. Sans plus cette bagnole. Franchement, je crois que j'aimerais jamais cette bagnole de ma vie, je crois. J'aimerais jamais, jamais, jamais cette bagnole, je l'aimerais de ma vie. Et putain, je commence à en avoir marre de faire que de la merde. On va démarrer doucement, 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 doucement. Voilà, doucement, Marcel. Et puis accélère. Voilà, on accélère tranquillement. Donc du coup, voilà. Donc ouais, franchement, j'étais obligé de redémarrer mon PC, c'est très très chiant. Bon, pour le coup, je pense qu'on va être dernier pour au moins 3 quelques courses, autant que je m'habitue au jeu, que je m'habitue, voilà. Bon, pour l'instant, c'est vraiment des bagnoles pourries, donc voilà, je pense que le mode carrière, on va juste faire quelques courses. Et puis c'est tout. Parce que voilà, je vais prendre une bagnole meilleure que ça quand même. On va voir après la première course si on a moyen d'avoir une bagnole un peu mieux, parce que là, franchement, cette bagnole, je l'aime vraiment pas, c'est vraiment pas le type de bagnole pour moi. Malgré qu'elle soit très jouée, c'est très agréable. Elle joue, enfin, de ce côté-là, elle est vraiment très agréable, elle est joueuse. Après, c'est vrai qu'elle manque d'accroche.
c'est vraiment très chiant. Donc il faut savoir vraiment doser l'accélérateur. Donc du coup voilà, donc comme je l'ai déjà dit, toutes les vidéos maintenant vont faire que 20 minutes. Je vais faire en sorte qu'elles durent que 20 minutes, tout simplement pour être on va dire tranquille entre guillemets. Enfin pour être tranquille, pour que voilà, que je puisse vous faire tout le contenu que je vous promets, tout en perdant le minimum de temps possible. Parce que voilà, si par exemple je vous fais des vidéos de 45 minutes, bah pour moi, beaucoup moi derrière, ça me fait au moins minimum une heure de vidéo à faire. Enfin une heure, voire plus, hein, puisque suivant les montages, parce que ça peut me faire mettre. Enfin, je peux mettre beaucoup plus de temps suivant ce que j'ai envie de faire avec le montage. Si je veux vous mettre des effets spéciaux que je n'ai pas en magasin, il faut que j'aille les chercher, soit il faut que je les crée. Et du coup, ça peut me prendre énormément de temps. Et donc du coup voilà, donc j'aimerais au moins. Ce que j'aime bien faire, c'est faire au moins une vidéo par semaine. Enfin, en début de semaine, tourner toutes les vidéos jusqu'à la semaine prochaine, donc au moins mardi suivant. Donc pour le coup, c'est la vidéo que vous avez maintenant. Donc du coup, généralement, j'essaie de faire au moins une semaine de décalage entre les deux. Pour en cas de problème, si j'avais vraiment un problème, que ça soit un problème de santé ou un truc comme ça, que vous avez du contenu, que j'ai le temps de prévoir le coup avant de me retrouver comme un con sans contenu. Et donc pour coup c'est pour ça aussi, pour que vous soyez que vous retrouvez pas sans contenu. Après ça peut arriver que certaines vidéos n'arrivent pas parce que voilà, il y a eu un bug ou un truc comme ça, comme ça peut déjà arriver. Malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver. Donc du coup voilà. Elle est super joueuse. Donc du coup voilà, j'essaie de vous faire quand même le mieux possible. Donc du coup voilà, dans ces épisodes-ci, dans cette série-là, je ne répondrai pas à vos commentaires en vidéo, les amis, à part si je trouve que c'est nécessaire. Mais autrement, je vous répondrai directement sur les commentaires. Je vais essayer de m'y mettre aussi. Je vais essayer de plus vous y répondre parce que jusque-là, je laissais que des réactions. Donc, je vais quand même essayer de vous y répondre le plus souvent possible en commentaire. De vous parler plus pas en commentaire, voilà, parce que je pense que c'est un petit peu ça aussi que vous cherchez, c'est un petit peu du contact, un contact un peu plus proche avec moi ou que ça soit avec les autres membres de la team. Donc je pense que ça vous fera énormément plaisir, enfin ça doit vous faire énormément plaisir que je vous réponde directement, que j'attends pas une semaine, donc la vidéo suivante pour vous répondre. Je pense que voilà, c'est à peu près ça que vous demandez. Maintenant sur YouTube, c'est vrai que ce qui est demandé. Donc du coup voilà, je vais m'y mettre un peu plus. Donc c'est pour ça que depuis quelques jours, elle est partie d'un coup, j'ai rien compris. C'est pour ça que depuis quelques jours je vous réponds. Donc maintenant ça va faire à peu près une semaine que j'essaie d'y répondre, que j'essaie de vous répondre au maximum. Après je peux pas forcément répondre à tout le monde, même si vous n'êtes pas très nombreux à commenter. Ça je suis d'accord, mais voilà, il faut que après, s'il faut que j'ai quelque chose à vous dire en retour, si je vais pas vous sortir à chaque fois non plus un merci, voilà, je pense qu'au bout d'un moment le merci il servira plus à rien. Vous aurez dit ouais, il a dit merci quoi, ouais, voilà quoi. Mais bon, après n'hésitez pas aussi à commenter les amis, n'hésitez pas à donner votre avis. Et, si vous voulez que je dise quelque chose en particulier, ça j'en serais très content, bien au contraire. Si vous voulez que je parle d'un sujet bien précis, n'hésitez pas. Franchement je serais très content d'en parler, comme par exemple les kikous sur YouTube aussi, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que je commence à enquêter un petit peu là-dessus. Donc j'ai repéré toutes les personnes qui essayent d'emmerder le monde comme ils peuvent, mais malheureusement bah ça marche pas, parce que tout simplement ça m'atteint pas personnellement, déjà pour ma part ça m'atteint pas, les autres personnes ça les atteint pas forcément non plus. Donc du coup on est arrivé bon dernier les amis. Voilà, je pense que moi franchement j'en ai limite rien à foutre, hein. Donc 10 minutes ouais, un peu moins de 10 minutes pour faire les 4 tours, ouais d'accord. Donc franchement j'en ai un peu rien à foutre, malgré que c'est vrai que ça peut être rageant d'avoir beaucoup de pouces rouges, même surtout au réveil que je vois que je suis par exemple à 18 pouces rouges et je suis qu'à quelques pouces bleus. Voilà, mais bon je comprends très vite que c'est des gens qui voilà, qui en fait qui sont jaloux, tout simplement. Ils sont jaloux que j'arrive à vous proposer un contenu
de qualité, un contenu entre guillemets semi-professionnel. Donc voilà, je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre que je dois mettre en application, mais pour ça, voilà, j'essaie de demander des conseils à des personnes qui sont professionnelles entre guillemets, qui seront capables de me donner les bons conseils et pas des conseils juste pour me faire tout simplement me faire plonger la tête la première dans l'eau. Donc du coup voilà. Donc pour le coup, championnat asiatique Formule Rookie. Ok, alors je sais pas, je sais pas trop si là on démarre une nouvelle course, on va y voir. Je sais pas du tout. Alors, essai, donc du coup on va pas se faire avoir, annoncer encore une autre chose. Qualification, non. On va faire 4 tours. Je pense que 15 minutes, 4 tours, c'est faisable. Largement. Non, peut-être pas faisable. On va faire au moins 3 tours. Ou 2 tours. Parce que j'aimerais bien que ça colle dans les 10 minutes. Parce que dans tous les cas, il me dit 15 tours, donc au pire, on est un peu moins de 10 minutes, donc je pense que ça rentrera dans le cadre. Donc du coup, on va faire démarrer les amis, et puis on va se faire tout de suite une autre course. Donc oui, je vais pas passer par l'échauffement, etc., parce qu'autrement c'est trop long. Donc en mode carrière, on va procéder comme ceci les amis. J'espère en tout cas que ça vous plaît, j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout dites-le moi en commentaire, parce que les pouces bleus et les pouces rouges, pour moi, ça veut malheureusement plus rien dire. Parce que vu que vous êtes, il y a certains qui s'amusent à mettre des pouces rouges, voilà. Donc en gros, si je me réfère qu'aux pouces, en fait, tout simplement, attends, ingénieur de la piste, modifier la configuration. Est-ce que j'ai moyen de mettre des... J'ai moyen de mettre suspension, amortisseur, rapport différentiel. Automatique par météo. On va descendre un peu la pression des pneus. À droite et à gauche, à l'avant. À l'arrière, on va descendre bien comme il faut aussi. Ah, pour le coup, j'ai plus un côté. Donc voilà, là, je pense que ça devrait être pas mal. On va essayer ça, voir les amis. Donc on va essayer ça, on va faire retour et puis on va démarrer tout simplement. Donc on a fait des petits réglages, on va voir qu'est-ce que ça fait. Si niveau réglage c'est mieux pour le coup. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire aussi. Oh mais putain, je fais un faux départ à chaque fois, fait chier. Pénalité, standard, P12, L1, pénalité. Oh, on va faire premier tour et puis hein, j'ai un tour de pénalité. Donc du coup voilà, donc ouais, de toute façon je vais pas faire gaffe, ouais, de toute façon je sais que je vais perdre de toute façon. Donc à mon avis je pense que en mode glissant ça va être une horreur, en mode pluie je pense, bon comme ça va nous permettre de l'essayer. Donc pour le coup, ouais, ce que je disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si franchement si cette série là vous plaît, si ce jeu là vous plaît, parce que franchement moi je m'amuse vraiment dessus, donc j'espère que ça vous plaît. Franchement, c'est vraiment cool parce que vous êtes quand même une communauté très ouverte. Même s'il y a des jeux que vous aimez pas forcément, vous regardez, vous prenez la peine de regarder quand même. J'ai remarqué ça, qu'il y a certains d'entre vous, même si vous aimez pas forcément le jeu à quel je joue, vous êtes là quand même pour m'écouter parler. Et franchement, ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je peux pas, voilà, mon cœur, mon pote, bah là, il fait boum quand je vois des commentaires comme ça, il fait voilà. Donc du coup, franchement, ça peut pas me faire plus plaisir que ça. Oh putain, ça, c'est comment on finit dans le décor. Je peux pas avoir, je ne peux pas avoir des, je ne peux pas avoir une communauté aussi, franchement, aussi merveilleuse que vous. Vous êtes vraiment très géniaux, vous êtes présent même pour les lives, vous essayez d'être le plus présent possible. Même si je sais qu'en ce moment, ça peut pas être forcément faisable pour tout le monde. Parce que voilà, soit vous avez cours, vous avez un travail, il faut aller au travail, hein, tout simplement, comme tout le monde. Il faut aller au travail comme tout le monde. Et pour le coup, voilà, vous pouvez pas non plus faire ce que vous voulez. De votre vie, bien sûr, vous avez des obligations comme tout le monde. Moi, j'ai des obligations que je suis obligé d'honorer tous les jours. Mais pour le coup, voilà, ça vous êtes quand même, vous manifestez votre présence, vous manifestez votre soutien. Et franchement, je crois qu'on va faire du stand tout le long. Hein. De toute manière, voilà, si je passe par les stands, j'en ai marre. Je vais pas passer par les stands, la merde. Au pire, comme ça, de toute façon, ça fait. On découvre seulement, on découvre, même si on est un pilote de merde, on découvre quand même.
Voilà, on est en mode découverte, voilà, je sais pas, on joue. Comme ça, on regarde, on apprend un peu comment que la voiture réagit par temps de pluie. Donc franchement, le fait que j'ai baissé la pression des pneus, je trouve que c'est mieux. J'adhère un peu mieux à la route. Même si j'ai tendance à faire un peu de la merde comme pilote, parce que je suis un nul à chier, un noob, un pourri. Vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon ça c'est clair que je suis nul. Mais bon, ça c'est pas grave, après de toute façon ça améliorera au fur et à mesure du temps. Donc du coup voilà, j'avais réussi à gagner un peu de temps sur le premier tour, mais bon, je vais le perdre aussitôt. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup voilà, je pense que l'avenir de la chaîne est franchement est très prometteuse, sans me lancer de fleurs. Je pense que j'ai moyen quand même de faire quelque chose de joli, de faire quelque chose de propre, de vous montrer des choses nouvelles. Comme vous le savez, il y a du nouveau contenu. C'est vrai que surtout au niveau des tutos, c'est vrai que peut-être que certains tutos que je vous propose, vous le trouvez peut-être nul, parce que voilà, vous savez, vous connaissez le principe, vous connaissez un PC, mais il faut pas oublier les amis que il y a des gens qui connaissent pas forcément grand chose dans l'informatique, qui comptent sur ce genre de tuto. Putain, à chaque fois je vais tout droit. Qui attendent ce genre de tuto pour pouvoir voir comment qu'on fait pour par exemple désinstaller un programme, ou comment sortir une game de FS, comment mettre des mods, ce genre de conneries. Voilà, il y a des gens, on me pose ces genres de questions. Donc du coup voilà, je vous y réponds directement en vidéo, comme ça je vous le montre, tant qu'à y être je vous le montre. Donc je pense que je peux pas faire mieux. Putain, bagnole de merde. Ah, j'aime pas cette bagnole, j'aime pas, franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir la virer, parce que putain, qu'est-ce qu'elle est nulle. Ah putain, ah ouais, mais elle chasse, c'est une horreur, pourtant j'ai des pneus slick. Enfin, c'est des pneus pluie, mais bon. Donc voilà, vous allez avoir d'autres tutos. Bon, après, est-ce que ça vous plaise pas, ok, c'est cool, mais bon, faut le dire, quoi. Faut communiquer. Si vous communiquez pas, bah, je peux pas savoir qu'est-ce qui vous a déplu dans le tutoriel. Si c'est le tutoriel complet, bah c'est bien, bah c'est pas grave. Peut-être qu'à vous ça vous plaît pas, mais à d'autres personnes ça va plaire. Et du coup, qui va trouver ce tutoriel très utile. Et beaucoup, voilà, ça va lui rendre peut-être service. Donc du coup, cette personne-là a appris quelque chose, elle sait le faire maintenant. Et on est contente parce qu'elle a regardé ma vidéo. Donc du coup, voilà, après, de toute façon, des rageux, je sais qu'il y en a plein, des rageux, hein, ça c'est bien connu, des rageux. Oh la vache, c'est bien connu, des rageux, de toute façon, le fameux pouce rouge, voilà, et puis, de toute façon, comme ça, tu descendras, putain, comme ça, tu descendras plus bas dans les tendances, mal là, on sera sûr qu'on gagne, tu monteras pas. Non, les mecs, il faut arrêter la clope, il faut arrêter le joint, les mecs. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est pas les pouces rouges qui vont m'empêcher de monter. Il faut arrêter de fumer. Contre à la fin de la main, pour passer au temps, ok, je m'en fous. C'est pas ça qui va m'empêcher de vous faire du contenu de qualité. C'est pas ça qui va me démotiver pour le coup. Bien au contraire, ça va faire que me motiver. Voilà, c'est tout. Il y a des rageux, bah c'est bien, il y a des jaloux. J'ai eu la confirmation aujourd'hui même que voilà, il y a des jaloux parce que moi je monte, mais eux ils montent pas. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont pas un contenu de qualité. Pourquoi? Parce qu'ils font de la merde. Leur chaîne c'est du bordel. On a l'impression que c'est un gamin de 12 ans qui vient d'ouvrir sa chaîne. Il y a encore un gamin de 12 ans. Je suis sûr qu'un gamin de 12 ans, il sait faire ça. Il sait comment mettre une bannière propre. Il sait comment faire un logo propre. Il sait comment organiser sa chaîne pour que ça soit propre. Mais voilà, il y a des gens qui veulent pas comprendre ça. Donc YouTube, c'est très simple en réalité, les amis. Il faut vous appliquer, il faut du travail, il faut bosser. Si vous bossez pas un minimum, c'est sûr, vous ferez que de la merde. Vous aurez quelques abonnés, mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Si les gens veulent pas comprendre ça, ils veulent pas, tant pis pour eux. Écoute, s'ils veulent en faire qu'à leur tête, à dire ouais, c'est moi le meilleur, non. Quand on arrive sur ta chaîne, mon gars. Hey les amis, je fais cette petite pause pour vous dire tout simplement que ce que je vais dire par la suite ne concerne personne, c'est tout simplement une globalité. Voilà. Allez, bonne vidéo. Et qu'on voit, on voit juste les vidéos mises en ligne.
On voit rien d'autre. On voit même pas qu'est-ce qu'il pourrait. On voit même pas le potentiel de ta chaîne. On voit même pas ce que tu peux, ce que tu fais sur ta chaîne. Ça donne pas envie de rester. Moi personnellement, des chaînes comme ça, j'ai pas envie. Personnellement, hein, juste pour pas juger. Mais voilà, moi, j'ai pas envie. Ça me donne pas envie de rester. Alors pourquoi les autres personnes, ça leur donne envie de rester? Faut se dire ça aussi, les amis. Quand vous faites votre chaîne YouTube, regardez, regardez vous-même et dites-vous, est-ce que j'aurais envie de m'abonner à cette chaîne, présentée comme elle est? Est-ce que j'aurais envie? Non. Bah, il faut faire les modifs en conséquence. Vous avez fait les modifs que vous voulez, puis vous reposez encore la question. Ah ouais, là c'est vrai que c'est mieux comme ça, ça donne plus envie, ça montre qu'il y a des choses, ça montre qu'il y a, il y a du travail. Voilà, c'est des choses, même si ça reste quand même un truc de loisir, entre guillemets. Pour certains, ça peut être, enfin, pour certains c'est juste du loisir, tout simplement. La chaîne c'est du loisir parce que voilà, ils ont un travail, mais bon, ils ont pas leurs heures perdues, ils ont envie de faire ça, tout simplement. Et puis c'est tout. Mais si vous voulez monter en abonné, les amis, il faut ouvrir vos oreilles et vous enlever la merde que vous avez dans les yeux. Si vous vous enlevez pas la merde que vous avez dans les yeux, c'est clair et net que tout à l'heure, de toute façon, vous allez faire le plongeon. Mais le grand plongeon dans le mauvais sens, tout simplement. C'est chacun a un truc. Chacun a un truc. Vous avez tout, on a tous cette possibilité-là de réussir. Mais si vous ne mettez pas un minimum d'effort, vous ne mettez pas un minimum de travail, c'est sûr que, bah, au final, bah, y aura rien. Il n'y aura strictement rien, il n'y aura pas de... Vous n'aurez pas un retour. Pourquoi moi je suis arrivé à 600 abonnés? Parce que j'ai eu de l'aide, c'est vrai, j'ai eu de l'aide. J'ai la LFD qui m'a aidé, j'ai The Spirit Band qui m'a aidé à monter en me faisant connaître. Donc en présentant à leur communauté ma chaîne, en me présentant à leur communauté qui s'ils sont abonnés, c'est ce qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont envie de revenir. Une personne qui s'abonne, c'est qu'elle veut revenir. Si une personne qui s'abonne pas, c'est qu'elle veut pas revenir. C'est pas compliqué. C'est très très simple, bien au contraire. Bon, sur ce les amis, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser là. Donc moi je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir suivi. Et puis sur ce, bah on est mardi, donc ce soir il y a un live. Et quand il y a un live, on se dit à ce soir. Allez, let's dance, 'cause tonight we're fire, break out.